Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs, et bienvenue pour ce récap du jour 15 des Worlds, et c'est le début des quarts de finale, mesdames et messieurs, avec le premier match qui a donc pu s'affronter les Weibo Gaming et les LNG Esports. Un match qui, on va dire, avait pas forcément l'air extrêmement serré sur le papier, parce que franchement, bon, d'un côté, t'as une équipe qui a pas mal surpris les gens en battant le seed 1 de sa propre région dans le premier match, et qui en plus, derrière, a fait 3-0 dans la phase de Swiss Stage, en volant à peu près au-dessus des autres équipes. Et de l'autre côté, on a Weibo, une équipe qui était déjà vue dès le début des Worlds comme étant l'équipe la plus faible de Chine, et en plus, qui est la seule équipe avec les BLG du coup maintenant à avoir, on va dire, perdu un affrontement contre les Européens slash NA, on va dire. La même BLG avait perdu une game, mais ils n'avaient pas perdu le BO. Donc, on était en train de dire, bon, peut-être que finalement, il y avait moyen que ce soit un BO qui se joue assez rapidement et qu'on n'ait pas forcément 5 games, quoi. Et en fait, on n'a effectivement pas eu 5 games, mais le BO s'est révélé être vachement plus serré que prévu, et surtout, c'est pas du tout achevé de la manière dont on pensait. On va commencer par la première game. Alors, déjà, en termes de draft, déjà, j'ai quelque chose à dire. J'ai quelques petits trucs à dire. Déjà, du côté des LNG, on est d'accord qu'on se retrouve avec un Nocturne sans Orianna, donc c'est Nocturne à poil, à peu près, avec derrière Harry et nos Renekton qui sont foutus par-dessus. On met Gala sur Jhin. Voilà, donc on met Gala sur Jhin. Je crois que j'ai jamais vu ça. En fait. Enfin, je suis sûr qu'il a déjà joué Jhin dans sa carrière, mais je trouve que pour un match en jeu, mettre l'un de tes meilleurs joueurs sur un personnage comme Jhin, alors ça fait un peu mal quand même, hein. On va pas se le cacher. Puis Jhin Rell, ça m'a pas l'air d'être particulièrement la même bonne combinaison. Tu pars sur un support qui est full engage teamfight pour grab 5 personnes. Et derrière, tu prends que des personnages qui ont un DPS single target. Ça fait très bizarre. Clairement, je suis vraiment pas fan de cette draft LNG. Du côté de Weibo, c'est pas particulièrement meilleur non plus. Mais on va dire que au moins, il y a des trucs intéressants. Il y a le fameux Skarner hein, dont on a parlé qui est en train de faire des ravages un petit peu dans les affrontements en général. On a la Ashe que je préfère à Jhin en général depuis quelques temps, vous le savez avec les récaps, et on a une Orianna qui est là, vraiment bien combotée sur un engage de Rakan, ce genre de truc. Et bon, alors le rang Ragnar il est bizarre, mais en dehors de ça, j'avoue que je donnerais quand même vachement l'avantage à la draft des Weibo. Après, on sait que la draft ça veut pas forcément tout dire dans la game, ça c'est moi qui vous le dis ça. Donc pas de gros avantages d'argent jusqu'à la 20e minute, donc vous savez hein, ce que ça veut dire. Ça veut dire il est temps de faire un super team fight de 20 milliards d'années au Drake, mesdames et messieurs, où on a du coup les Weibo qui se mettent en position et les LNG qui essaient de faire des trucs, mais on n'a pas encore la téléportation de Zika en top lane. On va instantanément venir récupérer Aang, il n'y a pas forcément de moyen de s'enfuir. Gala qui, bon, il se fait un peu bouger de partout, mais il arrive à s'enfuir, et derrière ça essaie de se retourner du coup sur Xiao qui est un peu isolé. Ils arrivent à prendre le kill, et derrière on a Scoot qui aussi se fait un peu sauter dessus, mais il arrive à s'enfuir. Bon, au moins on va dire que Tarzan est là pour récupérer le Drake, donc ça va. Mais du coup on va avoir encore une overextend du côté des Weibo, où on va avoir du coup le remorquage de Weiwei qui va bien se passer, mais derrière, ça y est, c'est Zika qui arrive, avec la téléportation de Scoot par-dessus, on va réussir à stun Tarzan, et du coup, voilà, c'est le retour, et Zika qui met des dégâts de fou furieux dans le teamfight, et qui sauve un petit peu le teamfight des LNG. Au final, du coup, on va dire que ça aurait pu être vachement plus destructeur pour les Weibo et qui aurait pu vraiment prendre l'avantage dans cette game avec ça, mais se contenteront du Drake. Voilà, le niveau d'avantage dans les golds, on n'est pas encore sur ça. On va dire que le vrai tournant de la game, il va se faire quelques minutes plus tard, mesdames et messieurs, alors que LNG, via quelques escarmouches, commençait à prendre un petit peu le contrôle de la partie en termes de kill et d'avance au gold. Mesdames et messieurs, ça va être une accélération assez rapide de Weibo, puisque du coup, ils vont voir que les LNG se préparent à contester le Drake, et ça va lancer un call Nashor très rapidement, et on va dire que les LNG n'ont pas forcément été assez rapides, on va dire, à la détente pour essayer de contester, et ils vont se faire shipper le Nashor assez rapidement. Du coup, on a Crisp qui arrive à s'enfuir malgré ça, pareil pour Tarzan, même s'il y a une tentative des LNG pour essayer de punir l'action. Au final, c'est un Nashor récupéré sans aucune perte pour Weibo, et du coup, bah, ces derniers derrière, ils vont s'amuser, alors on va quand même deny lime du côté des LNG, mais ils vont derrière s'amuser à récupérer énormément d'argent avec les tours qui restaient sur la map, donc notamment du coup la T2 bot et la T1 et la T2 bot justement, c'est ça. Et les LNG vont être en mode, bah tu sais quoi, avant qu'on perde un petit peu la partie sur du coup un écart de gold qui augmente un petit peu trop, c'est parti pour tenter un super fight, mesdames et messieurs. On a Zika qui va tenter un flank nature, alors qu'il a une téléportation, mais tranquille. Et
En même temps, il n'y a pas de ward dans le back, je peux comprendre. Et du coup, on va laisser un petit peu les Weibo avancer pour pouvoir derrière les prendre à revers. Et là, mesdames et messieurs, c'est la guerre. On a Ang Heng qui fait le grand tour, mais on a Tarzan qui avait prévu ça et qui va donc le bloquer. De l'autre côté, on a le gnard de Brief qui ralentit un petit peu Scoot et Zika comme il peut. L'ultimate de Nocturne qui arrive en même temps, mais vous voyez qu'en fait, il est un peu tôt parce qu'au final, on n'a pas encore Heng qui est sur la position. Il se fait suppresser par Tarzan. Et de l'autre côté, Zika et Scoot sont un petit peu loin. Il y a un ulti Jin un peu tôt aussi parce que les joueurs sont pas particulièrement low en HP. Et du coup, il va se faire get back très rapidement et il va mourir très très vite. Zika qui prend énormément de dégâts et qui va mourir très très vite également. Ang aussi qui est du coup laissé pour mort. Et derrière, Scoot aussi. Et du coup, avec ce 4-0, mesdames et messieurs, à 30e minute, c'est game. Voilà, les Weibo Gaming qui, avec un push Nashor, ont cliniquement assassiné les LNG dans cette première game. Alors effectivement, est-ce que c'est uniquement dû à la draft? Je pense pas forcément. Je pense qu'il y a eu quelques drafts, quelques décisions du côté de LNG qui étaient un petit peu contestables. Aussi, on va dire que le fait d'avoir perdu le call Nashor a été problématique. Mais c'est vrai que la composition leur permettait pas forcément de faire grand-chose contre la composition Weibo. Vous voyez que quand on en est au point où la RL elle doit faire 14 tours de terrain pour essayer de trouver une engage, c'est qu'il y a un problème, on va dire. Ça va être l'occasion du coup dans la game 2 d'essayer de rectifier ça du côté des LNG. Et effectivement, on a une draft que je considère comme étant vachement plus intéressante, on va dire. Déjà, première chose intéressante, je sais pas si on a déjà eu de pic de Amumu de la part des équipes asiatiques. Je crois que c'est le premier. Et ça, du coup, c'est très très intéressant. Il y a aussi du coup le pic d'Aurora qui vient pour faire une sorte de combo avec aussi Renata, même si je suis pas extrêmement fan de la Renata, parce qu'en face, il y a un Ezreal. Et le Ezreal, il est pas forcément... C'est pas forcément le genre d'ADC qui est inquiété par un ulti Renata, parce que il a une tellement longue range qu'il peut voir l'ulti arriver à des kilomètres, et comme il est très très lent, il peut très rapidement l'esquiver. Et de l'autre côté, du coup, en plus, à côté de lui, on a le Jax qui va être une valeur sûre aussi dans tout le BO, qui est un des pics, on va dire, fort du moment, entre guillemets, dès qu'il arrive online. C'est vraiment une machine. Et le fameux Yone qui est récupéré du côté de Scoot. Alors, est-ce que ça va être le même Yone que ce qu'il avait sorti contre les BLG en round suisse? Ça va être un petit peu tout l'enjeu de cette game. Et enfin, du coup, si on parle du reste de la composition des Weibo, on a le Xanté en top lane, pour être là. Il est là, c'est déjà pas mal. Et la Ashe derrière, même si du coup la Ashe a pas forcément le même rapport de force contre un Ezreal qu'elle l'avait lorsqu'elle affrontait le Jhin. Alors la game va commencer par un super swap lane, mesdames et messieurs, vous le connaissez. Il est de retour. Du coup, cette fois-ci, du coup, est initié par les LNG en blue side, mais du coup, ça reste compliqué. On voit que Zika prend énormément d'HP, il fait un mauvais premier trade, ce qui le met un petit peu mal, mais on a Weiwei qui arrive pour un petit peu aider la solution, et Tarzan qui est un petit peu trop agressif dans cette agression-là, dans ce combat en early game, et du coup il va se faire attraper, et il se fait casser la gueule par les LNG. On récupère le First Blood sur la Sejuani, et derrière Zika qui va également récupérer le kill sur Crisp, et du coup tout l'avantage qu'ils étaient en train d'obtenir les Weibo sur le top lane, donc sur Zika, va s'estomper, et en plus ça va permettre à LNG d'avoir un avantage dans le match-up du coup Jax Xanté en faveur du Jax, qui va leur permettre de snowball l'early game assez rapidement. Et du coup, cet early game, il va notamment permettre d'avoir, après quelques escarmouches, une belle avance déjà dès les premières minutes, des 13 premières minutes. On est quand même à 3K gold avant le deuxième drake, ce qui est quand même pas dégueu. Et du coup, par contre, ça va créer un fight intéressant du coup en utilisant du coup cet avantage-là, où du coup, on va avoir des Weibo qui vont essayer de contester, mais semi-contester, vous savez, un peu les drakes, genre on est là pour vérifier que vous faites pas des conneries. Mais du coup, les LNG, ils vont se retourner, ils vont instantanément essayer de lock-in Tarzan qui va se faire focus assez rapidement. Il va mourir. Non, il va pas mourir. Il va mourir pourquoi? Parce que il survit à quelques HP et en fait il se fait bail out par la Renata à genre une seconde près, on va dire. Et du coup il reste en vie. On arrive quand même, du coup il récupère en plus le kill sur Sejuani. Donc derrière on se dit ok, les LNG sont dans une mauvaise situation, mais ils peuvent récupérer rapidement le kill sur Tarzan. Sauf que Gala et Scoot, bon déjà Scoot, wow, là celle-là on va se le repasser quand même. Attention le schlack, oura. Oh putain de merde, c'est pas le Yone des gammes ça, oi oi oi, non ça fait mal ça. Ouais, c'est pas le même Yone, c'est pas le même Yone qu'en Swiss Stage, ça c'est moi qui vous le dis. Et de l'autre côté, Gala qui va aussi hyper focus sur les cibles de Scoot, mais du coup Tarzan, qui avait plus d'HP, qui était quasiment mort, bah il est vivant lui. Et il va faire le Drake de son côté, tranquillement. Gala qui par contre va se retourner du coup sur Xiaowu et va récupérer, on va dire, le kill assez vite. On va aussi se retourner sur Chris, et après, il va pas réussir à le tuer, mais derrière, on va empêcher Tarzan de s'enfuir et on va récupérer le kill sur lui assez rapidement. Et au final, on récupère un Drake du côté des Weibo, mais par contre, l'avantage en gold, il augmente encore pour les LNG au fur et à mesure. Et du coup, on se retrouve à la 31e minute. Et du coup, on a pas mal d'escarmouches qui viennent du coup ajouter du coup des gold d'avance à LNG au fur et à mesure de la partie. Les Seagrubs et qui sont à un Drake d'avoir l'âme, où les Weibo sont dans une situation un petit peu complexe parce qu'ils n'ont pas l'avantage en gold. Et en plus, dans quelques minutes, leur équipe, l'équipe adverse va récupérer l'âme. Et donc, il faut faire un truc très très rapidement. Et du coup, les Weibo vont décider de prendre la priorité mid lane, de se réunir à 4,
et avait après un, des ultis un peu loupés du côté d'LNG, du coup, parce qu'on a un ulti Leona, upside step de Crisp, et en plus, attention, vous allez voir un truc de fou. Waouh, ça c'est un truc de fou, Attendez, faut que je le remette, ok. Donc en gros, ça c'est un truc donc, que j'ai entendu de Draco hier justement. En gros, ce que vous venez de voir ici, c'est Crisp qui vient de ce Mikael tout seul. Alors vous êtes en train de dire, mais attends, mais Mikael c'est pas que sur les autres alliés. Et oui, vous avez raison, mais on peut quand même se Mikael tout seul. Alors pourquoi est-ce qu'on peut, on pourrait se Mikael tout seul, déjà en dehors des HP? Et bien en fait, vous avez, si vous vous faites à la frame, vous prenez le CC, et bien ça vous cleanse quand même. Du coup, il a Mikael, de manière préemptive, au moment où il s'est pris l'ulti de Weiwei, juste après avoir mis le sidestep de l'espace de l'ulti Leona, et il a cleanse lui-même son propre CC. Donc c'est extrêmement dur à faire, et déjà ça veut dire que ça a eu énormément d'impact dans la partie, parce que derrière, les Weibo, du coup, vu qu'il y a deux ultis qui sont partis, plus l'ulti d'Ezreal, bah du coup derrière, ils ont tenté un Nashor, du coup ils commencent le Nashor, et on est un peu en panique du côté d'LNG, on va essayer de se battre derrière, on met un petit peu, on essaie de se focus un petit peu sur Brief qui tente pas mal, du coup, de son côté, on se retourne un peu du côté des Weibo, on laisse un peu la position féminine un peu. Sauf qu'en fait on revient à la fin avec un ulti Renata, l'ulti de H du coup de Light qui arrive pour stun Scoot qui peut pas forcément faire grand chose pendant l'engage, et derrière on va avoir du coup Weiwei qui va se retrouver un petit peu isolé et qui peut pas s'enfuir, Galak qui est obligé de se barrer très très vite, le Nashor qui est récupéré par les Weibo, et derrière même si on a une phase initiale de DPS de Scoot, Zika il va se retrouver un petit peu tout seul, il va mourir, et au final ça va snowball en termes de teamfight en faveur des Weibo Gaming qui n'ont pas perdu un membre et qui du coup récupère en plus un Baron Nashor. Et là, c'est peut-être le tournant de la partie. Parce que derrière, on va récupérer la T1 et la T2 bot et on va partir sur un push létal, on va dire potentiellement, dans la T3 bot pendant qu'on a Scoot qui fait des trucs en top lane pour essayer de compenser. On récupère l'inhibiteur et là, on pourrait juste se barrer, récupérer le Drake et puis tenter un truc, un push, un lame, tout ça. Sauf que non, du côté des Weibo, on part pour le finish. On a la téléportation de Brief qui arrive. On veut vraiment se mettre à 5 et terminer la game maintenant. Et on va récupérer la première tour, ça va bien ce qu'on va se passer. Le problème, c'est que on va overextend et Zika il est derrière. Il va pas mal temporiser les gens sur lui, vous voyez. Là il zonia en plus derrière, donc ça va lui permettre de récupérer des cooldowns. Pendant ce temps, on a Brief qui tank le plus possible de son côté. Il se fait assez rapidement, on va dire, descendre en termes de HP même avec son ulti. On récupère du coup le kill sur Hank, certes, mais on récupère pas plus de kills que ça. Et derrière, regardez Zika. Et bah là, il est de retour. Il va se faire focus, mais il réussit à mettre une counter-strike. Et là, mesdames et messieurs, gros saut. Et derrière, instantanément, le stun sur Light. Knight qui meurt instantanément, tout comme son support. Et derrière, Galak qui est là pour ramasser les kills. Et du coup, bah, on get back les Weibo assez rapidement dans la game. Et si on avait une TP, c'était déjà fini là. Hein. Là, avec vu l'état de la wave en top lane, vu qu'on a récupéré l'inhibiteur. Et du coup, à la place, on va récupérer du coup l'âme du côté des LNG pendant que les adversaires, on va dire, des Weibo sont morts. Et derrière, du coup, pour le fight à l'Eldor, mesdames et messieurs, qui se passe quelques temps après pour récupérer un Nashor du côté des LNG. Du coup, on a Zika qui trouve un monster flank de son côté. Les Weibo peuvent pas forcément avancer. Tarzan, du coup, il est livré à lui-même. Il a plus de flash et il va... Wow, il arrive quand même à s'enfuir, mais c'est pas forcément pendant très longtemps, puisque Zika arrive à stun et instantanément temporiser avec son Zonia. Et derrière, c'est le moment pour... Oh, il scoute vraiment pas un super... tranquille, c'était la game de chauffe. Pour l'instant, du coup, Gala qui fait des trucs du côté de Crisp. Et on récupère des kills suffisamment, en tout cas, pour que derrière, la botlane arrive et puisse libérer les LNG. Et du coup, on va finir... Alors après, il y a beaucoup de temps, parce qu'on met du temps quand même à terminer les cibles et tout. On arrive quand même à terminer la partie à 43 minutes de jeu. Win pour LNG, mais vous voyez qu'on s'est fait peur quand même avec le call Nashor. Donc, c'était potentiellement compliqué. Il faut que LNG rentre dans ce BO le plus vite possible, on va dire. Et la game 3, c'est la game qui va un petit peu créer une tendance dans ce BO, mesdames et messieurs. C'est à ce moment-là que tout a basculé et c'est sur une draft intéressante de la part des deux équipes. Déjà, première chose, attention, alerte générale. On a la Kai'Sa de Gala qui est sélectionnée. Ça y est, on va dire qu'après avoir carry une game entière sur le dos de son Ezreal, Gala se retrouve en plus derrière sur son main de cœur qui joue depuis il y a 1000 ans. Et en face de lui, on a du coup la H de Light et du coup H Brom qui est un combo vraiment très intéressant. Je sais pas ce que fait le Alistar dans cette game. Je sais pas ce qu'il cherche à faire, quel est son but, quel est son... Je sais pas trop. Mais on a quand même le Jax qui peut être aussi très intéressant en termes de puissance. Le reste du coup, bah, c'est encore un Nocturne à poil. Avec zéro, rien avec lui, qu'ils auraient pu récupérer assez vite. On privilégie vraiment du côté des LNG le Nocturne Ahri au Nocturne Orianna et je pense que ça va être un gros problème dans les drafts et dans la game à venir. Tous les Weibo qui récupèrent l'Orianna et qui en plus récupèrent le Maokai et on va dire que ça fait une draft très, on va dire, stable.
très front to back, très tranquille on va dire pour les Weibo, tandis que du côté des LNG on cherche déjà à trouver on va dire le temps que pour les Jax et la Kai'Sa de s'activer, mais c'est vrai que la Ahri et Turn au bout d'un moment avec Alistar ça va commencer à devenir des plots dans une partie, donc disons que même s'il y a des gros composants de scaling du côté des LNG, je suis même pas forcément sûr que c'est eux qui aient le late game on va dire. Et là pour une fois mesdames et messieurs la game elle va exploser un peu plus tôt que la 20ème minute dans un Drake, puisque du coup on va avoir un gros tower dive qui va être tenté du côté des LNG à la 8ème minute, je sais pas si c'est après ou avant le swap lane, je crois que c'est pas du tout, c'est juste on essaie de faire un big tower dive sur Brief. Déjà c'est un très mauvais plan sachant qu'il vient d'arriver, enfin il vient de Ding 6 et qu'en plus de ça il a son Megagnar dans pas très longtemps, donc c'est potentiellement l'un des pires timings qu'on peut trouver. Ang est pas encore sur la position et il va se retourner en fait du coup, et derrière Wei qui voit pas la arrow de H arriver et qui du coup peut pas forcément déclencher en même temps que Brief arrive pour se retourner sur les adversaires. Tarzan qui arrive de son côté également, le flash out de Kai'Sa qui est dépensé très très rapidement, et du coup on se dit ah merde c'est pas la guerre. Hank qui va ramener le Maokai mais il prend énormément d'HP et derrière le Maokai il a juste à se retourner sur sa gueule. Là ça y est, Weiwei est sur l'action mais il est un peu tard, et surtout mesdames et messieurs vous la voyez hein, vous la voyez mesdames et messieurs, c'est la shockwave de Xiaowu qui arrive et bam, incroyable. Ah là ça c'est une shockwave qui est game breaker, alors qu'on est vraiment au niveau 7, c'est pas souvent qu'on voit une shockwave aussitôt dans la partie être game breaker, mais une shockwave sur 4 personnes dans ce genre d'escarmouche, et eh ben c'est meurtrier, et les LNG vont se faire décimer littéralement dès la 8ème minute 30, et ça inaugure rien de bon pour une équipe qui se fait déjà outscale dans la partie, donc ça fait très très peur pour la suite. On arrive du coup à récupérer un peu d'avantage au gold du côté des Weibo, on récupère la T1 en bot, on force le flash out de Weiwei à la 17ème minute avec un Herald qui pop sur la T1, donc là déjà on voit que l'avantage en gold il améliore de plus en plus là, et derrière on se dirige tranquillement sur le 3ème Drake, mais c'est là que va éclater un nouveau teamfight mesdames et messieurs, puisque on va avoir la téléportation dans le back de Scoot avec les LNG qui veulent quand même on va dire contester cet objectif. Brief qui va essayer de catch du coup Zika qui va essayer de temporiser comme il peut, mais il va se faire tuer très rapidement, et derrière les Weibo qui se désintéressent un petit peu du Drake pour essayer de tuer qui que ce soit, mais en dehors de ça finalement ça va juste être un stacking de Drake du côté des LNG, mais bon comme c'est une Ocean Soul c'est pas si important que ça. Attention l'arrow qui arrive, bam, puisque mesdames et messieurs évidemment Weiwei qui a préféré mettre un gros spell shield sur un Q qui ne touchait pas et qui du coup n'en a plus quand la vraie arrow arrive, et derrière il va se faire tuer également, et du coup au final on va dire que même si on récupère le Drake du côté des LNG, les gold arrivent du côté de Weibo, donc ouais le fight à côté du Drake est au moins aussi important que le Drake en lui-même. Mais les LNG ils ont pas dit leur dernier mot mesdames et messieurs, et lorsqu'on essaie de faire un décalage du côté des Weibo pour récupérer le kill sur les LNG et aussi la tourelle, on a la téléportation qui arrive, la paranoïa. Mesdames et messieurs, vous êtes trop avancés, les Weibo Gaming, et derrière, on va foncer instantanément sur Light, qui va flash out, mais derrière, ça y est, on sait à quoi sert le Alistar dans la game, mesdames et messieurs, et Gala qui arrive derrière pour punir Light, et qui vont réussir à sécuriser le kill, derrière, Ang est intuable dans son ultime, et derrière, on récupère 2 kills sur la botlane à 21 minutes de jeu, et qu'est-ce que ça veut dire 21 minutes de jeu, mesdames et messieurs? Eh bien, ça veut dire que c'est le Nashor qui est parti, et qui est commencé du côté des LNG, on pense qu'il n'y en a pas du côté des Weibo, mais au final, en fait, si, c'est le Nashor, et on conteste malheureusement un peu tard, encore une fois, un peu comme LNG dans la game 1, et Ang qui va se sacrifier pour la team, et qui va du coup permettre aux LNG de s'enfuir avec un Baron Nashor, qui va pas mal rééquilibrer les rapports de force entre les équipes, et LNG qui du coup arrive à récupérer, on va dire, même un avantage au gold à partir de la 28ème minute de jeu, où on voit que Zika est de moins en moins stoppable, on va dire, sur la top lane, et de l'autre côté, ça tente un Nashor instantanément, la téléportation de Zika assez vite, et les Weibo, encore une fois, un peu trop tard pour l'objectif, Ang qui se suicide à nouveau pour l'objectif. Du coup, deuxième Nashor qui est récupéré, et derrière, même si on récupère le Drake du côté des Weibo, on tente un play cross map, mais au Scoot qui va se retourner, et derrière, on va récupérer le kid assez rapidement sur Brief, ainsi que du coup, non pas la tourelle du coup, si. Du coup, ouais, ça reste quand même un gros avantage du côté des LNG, que on va dire combiné au Nashor derrière, ça va leur donner énormément d'avantages dans la partie au niveau des gold, même si les lames et assez loin. Et mesdames et messieurs, c'est le moment du dernier teamfight de la partie. On est à 3 Drake partout. L'avantage en gold à 36 minutes est assez dérisoire. C'est parti pour un call Nashor. On a vu qu'LNG commençait lentement mais sûrement à reprendre le niveau et à reprendre l'ascendant sur la partie. Et c'est le moment du coup pour voir s'ils peuvent concrétiser, puisque Weibo se lance dans un Nashor assez rapide. Et derrière, vous allez voir, attention, mesdames et messieurs, cette arrow là, il faut la regarder très très bien, parce que regardez, elle va toucher instantanément Zika, qui, je le rappelle, est le joueur le plus fort en termes d'état système des LNG à ce moment-là, la partie. Et donc, il va être out du fight pour la paranoïa. Et derrière, du coup, les LNG, au lieu, on va dire, d'attendre du coup que les Weibo viennent, ils vont être obligés de venir sur eux. Et du coup, on va avoir un triple combo qui va arriver. Scoot qui va venir flash in Light
Non, pas Light, c'est Xiao. Pendant qu'on a l'ulti de Nocturne et derrière Gala qui va arriver, le problème c'est que, ben, en fait, encore une fois, on est sur des champions qui sont des dégâts mono-cibles, en fait. Du coup, là, on s'est retrouvé au corps à corps de 3 personnes, mais en réalité, on peut pas forcément faire grand chose. Et derrière, on a des gros ultis qui partent, le Zhonya du côté de Xiao qui permet de temporiser la partie. Et derrière, ben, les dégâts sont pas du tout au rendez-vous en DPS. Et Light qui arrive à mettre suffisamment de dégâts tout seul, Zika qui arrive un peu trop tard et qui se fait pousser au moment où il rentre dans le teamfight, et au final, teamfight très très bien géré des Weibo et les LNG qui ne pourront pas récupérer plus de kills que ça, et derrière même c'est la fin de la game, et les Weibo qui récupèrent l'ascendant dans ce BO après ce teamfight ma foi assez clutch de leur part pour récupérer l'avantage dans la partie. Et même si les deux équipes sont pas particulièrement les meilleures équipes des Worlds à l'heure actuelle en termes de niveau de jeu de ce qu'on voit du BO actuellement, c'est une surprise qui est potentiellement en train d'être créée de la part des Weibo. Et enfin la dernière game, mesdames et messieurs, c'est la guerre. C'est la guerre, on voit que y a pas mal de trucs. On a le Ezreal qui récupère du côté des Weibo, on a le Jax également, la Aurora aussi, trois picks qui sont assez forts actuellement dans la méta, avec le Maokai et le Rakan pour créer les engage. De l'autre côté, du côté des LNG, bah pour moi ça c'est vraiment une draft un peu miss hein, pour le coup. À part le Yone qui peut faire des trucs, derrière, à côté de lui, il y a vraiment pas grand chose. Hein. Déjà, on manque de dégâts magiques, même si je sais qu'il y a un peu de dégâts qui viennent du Yone, on n'est clairement pas sur un 50-50. Le Renekton, il va se faire gap par Jax au bout d'un moment. Et derrière, encore une fois, mais ce gars-là sur Jhin, quoi. Enfin, c'est fou. Imagine, t'as le meilleur dribbleur de la ligue et potentiellement du monde, et tu le fous avant-centre, là, dans la surface, à faire des ouais, je mets des têtes, hein, c'est bon. Hein. Enfin, c'est pas du tout la meilleure manière d'exploiter ton joueur, et ça va faire mal dans la partie. Et j'aimerais vous dire que la game va commencer mieux pour les LNG que la game d'avant, mais malheureusement, les teamfights d'escarmouche, c'est un peu le terrain des Weibo, et même si du coup on va essayer de foncer sur le jungler en early game pour essayer de le tuer dans le rentre des grubs, d'ailleurs on va avoir le bon support de la botlane des Weibo, tandis que Gala est un peu trop loin et n'a pas encore, s'il a son 6, mais il peut pas encore l'utiliser aussi bien. Et derrière, du côté des LNG, bah, c'est l'arroseur arrosé et on se fait climatiser derrière. Zeka qui est piégé dans l'ulti de Aurora et en plus du coup de Hang, ça va également être du coup un 2-0 en faveur des Weibo Gaming. Kill sur les carrés en plus, donc c'est probablement le pire start possible pour les LNG dans cette game. Et d'ailleurs Weiwei qui va être obligé de se suicider, pareil, on va perdre énormément de temps. Et du coup, ouais, vous voyez, on est à un peu moins de 7ème minute. On a déjà 3k gold d'avance pour Weibo, rien qu'avec ça, parce qu'on sait bien snowball les avantages. Et derrière, pour les LNG, ça va être très compliqué de jouer cette partie. Et ce qui va vraiment, on va dire, achever de mettre le cercueil des LNG en bon état et prêt pour les joueurs, ça va être du coup cette tentative de collapse sur Brief qui récupère la T1. Mais en fait, il y a tout le monde du côté des Weibo ici. Et on va essayer de catch le Tarzan assez rapidement, mais tout le monde peut arriver assez rapidement. Le Tarzan, il n'est pas forcément si wishy que ça. Et derrière, ulti de Maokai pour empêcher, on va dire, les LNG de vraiment trop s'éparpiller. Et même si on récupère le kill assez rapidement, derrière, Brief qui va rentrer dans le teamfight, Gala qui peut pas forcément faire grand chose. Et derrière, ulti de Xiao pour empêcher les LNG de vraiment s'enfuir. Le temps que Light arrive, on récupère du coup le kill sur Gala, peut pas forcément faire grand chose sur Brief. Et derrière, magnifique engage de Chris qui va arriver derrière pour climatiser un petit peu les efforts des LNG. Et derrière Xiao, voilà, une Aurora en DPS en teamfight, c'est assez chiant à faire. Et malgré les gros efforts de Scout, ce n'est pas suffisant. On va réussir quand même à récupérer le kill sur Brief, mais l'avantage est clairement du côté des Weibo qui vont en plus derrière se permettre le luxe de récupérer la T2 en botlane. Et vous savez que les T2, ça vaut énormément d'argent dans League of Legends moderne. Et du coup, mesdames et messieurs, ça y est, vous le voyez, on est à quasiment 5k gold d'avance pour les Weibo. À 17 minutes de jeu, c'est gigantesque. On a la deuxième T2 qui va être récupérée via le Herald. Donc encore une fois, énormément d'argent qui arrive. Et quand les Weibo, des fois, se décident à accélérer, mesdames et messieurs, ça va très très vite du coup avec cet avantage au gold. On va lancer le Nashor très très rapidement et Scout qui est là pour Scout justement, mais derrière qui peut pas forcément faire grand chose de plus. Et les LNG, c'est difficile de rentrer dans ce genre de pit. On a l'ulti de Jhin qui va instantanément cancel parce qu'en fait on sait pas du tout là que ça se passe. C'est Zika qui est en 1v3 derrière pendant qu'on se focus derrière sur Breathe, mais du coup Zika il est vachement moins tanky, on va dire, et du coup on est obligé de derrière on va dire changer le focus. Et regardez derrière l'arrivée des carry qui arrive dans le fight avec du coup Xiao qui balance l'ulti et Light derrière. On voit que c'est difficile de tomber qui que ce soit, on va dire, du côté des LNG. Et derrière, on voit que là les limites de Jhin dans ce genre de teamfight, elles sont vraiment visibles. Le pauvre peut pas forcément faire grand chose et on va assez rapidement récupérer les kills, le flash in de Light. Et même si on tente des trucs, Scout qui réussit à récupérer quand même quelques kills, ça va pas du tout être suffisant. Scout qui va se faire tuer derrière et le Nashor instantanément récupéré. Weiwei qui va se faire catch juste après. Et là, c'est
fin de game quasiment. Là, on est déjà à 10 kgold d'avance. Alors, je vais quand même mettre ce teamfight quand même parce que c'est rigolo. En gros, on a les Weibo qui explosent les gens derrière. Là, c'est compliqué pour les LNG de jouer. Gala qui se fait également sanctionner. Derrière, Zika qui se retrouve isolé. Que va-t-il faire? Il jump en dehors, à travers le mur. Est-ce que les Weibo le suivent? Ils le suivent. Mais derrière, Scoot qui se retourne. Et le big ulti, ça y est. On retrouve pendant, on va dire, une fraction de seconde le Scoot de cette phase de round suisse. Malheureusement, ce n'est pas assez. Puisque, d'un autre côté, on a plus qui récupère l'inhibiteur en top lane. Et au final, même si le teamfight était bien rattrapé, ça reste quand même clairement du négatif pour l'LNG. Et le glas va être signé dans ce dernier teamfight, mesdames et messieurs. On va réussir à lock un petit peu Scoot brièvement. Il va prendre beaucoup d'HP. Et même s'il se retourne, c'est trop tard. Light est free. DPS, encore une fois, magnifique placement. Et les LNG ne font que tomber les uns après les autres. Et Gala qui, ouais, on va dire que ça n'a pas été une game facile pour lui. Et il va se faire crucifier. Et c'est la fin de game et fin de série. Les LNG qui étaient invaincus en ronde suisse, qui se font éliminer dès les quarts de finale sur le score de 3 à 1 par les Weibo Gaming. Énorme surprise, mais s'il y a bien quelque chose qu'on nous a appris, c'est qu'il ne fallait jamais sous-estimer les Weibo, parce que la dernière fois qu'on les a sous-estimés, ils sont allés en finale des Worlds. Et du coup, mesdames et messieurs, c'est une victoire pour ces derniers. Le prochain match, qui est donc le match d'aujourd'hui, si vous regardez cette vidéo, c'est le match entre les Hanwha Life et les BLG. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et à la prochaine pour une nouvelle. Ciao tout le monde.